Donc, il y avait ces deux idées concrètes que j'avais demandé à ce qu'on suive. Alors, là, il y a un tout petit problème. Retenez la formule, vous qui êtes à l'âge, vous commencez, vous l'avez peut-être déjà fait, à lancer des grandes initiatives, à mener des projets. Il y en a peut-être déjà qui sont chefs de projet dans leur, je sais pas, dans leur entreprise ou je sais pas quoi. Vous voyez, il n'y a de projet que d'hommes. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas trouvé les meilleures idées du monde, si vous voulez, tant que vous n'avez pas trouvé les personnes pour les mettre en œuvre, d'accord, concrètement, pour porter les idées et les transformer en projets et puis en réalisation, ben, ça ne marche pas. C'était une grande chance de pouvoir rencontrer l'évêque et de ne pas avoir de filtre, de pouvoir vraiment avoir une discussion cœur à cœur et que tout le monde puisse avoir l'opportunité de s'exprimer. Voilà, c'était vraiment un moment rare et précieux. Et j'arrive de Saint-Étienne. Donc, quand même le changement entre Mulhouse et Saint-Étienne, notamment au niveau de la vie catholique que j'avais là-bas. D'abord, pas mal de différences. J'étais dans une ville très active de ce point-là et là, sur le campus de mon école, c'était un peu difficile de m'y retrouver au début. D'abord parce qu'on est un peu excentré de la ville. J'ai pas pu avoir accès tout de suite aux aumôneries ou aux différentes églises où par la suite j'ai pu trouver des rassemblements de jeunes avec qui j'ai pu faire connaissance et découvrir notamment ce genre d'événements, ce genre de rencontres et pouvoir découvrir aussi la vie associative de Mulhouse, notamment l'association Coexister qui m'a pas mal accompagné dans mon intégration à la ville. D'accord. Ce pourquoi vous avez été créé. Parce que même si vous êtes très autodidacte, hein, vous ne vous êtes pas créé quand même. Hein. Moi non plus. Hein. Voilà, vous n'êtes pas créé. Hein. Bon. Ma foi profonde, c'est que ma conviction profonde, c'est qu'il y a quelqu'un là-haut, quand je dis là-haut, il est au milieu de nous. Hein. Voilà, qui est le Père et qui t'a créé parce qu'il veut que grâce à toi, ça aille mieux. Et comme tu es libre, à cause de toi, ça peut être pire. C'est juste. Ben, c'était une forme très informel et en même temps formel, je trouvais ça assez chouette. On a pu l'interpeller sur plusieurs choses. Il a pu nous interpeller aussi, nous, en nous demandant ce qu'on pense de l'Église, des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. Ouais. Déjà, j'étais surprise du nombre de gens qu'on était. J'étais ravie parce que je pensais qu'on serait beaucoup moins. Parce que, ben, mine de rien, dans la région de Mulhouse, ben, parfois, on a l'impression qu'on est un peu tout seul en tant que jeune. Et là, on s'est retrouvés une quarantaine et c'était une belle surprise. Je m'y intéresse pour deux raisons. Une raison personnelle, parce que j'ai vécu des choses tellement magnifiques à la période de la jeunesse et puis avec les jeunes. Et puis la deuxième, c'est que je pense que c'est une nécessité aujourd'hui pour le monde et pour l'Église de repartir vraiment quasi à zéro avec cette nouvelle jeunesse. Rencontrer Dieu concrètement dans ma vie. À travers le chemin néo-catéchuménal qui a apporté dans la paroisse Sainte-Thérèse. Donc il faut savoir que moi j'habite la vallée de Tinte, donc ouais, tous les jours je fais 30 km aller ou retour pour suivre ce chemin parce que j'y trouve ce dont j'ai besoin. Ce que je ne trouve pas forcément en paroisse, c'est-à-dire un groupe de personnes que je connais plus ou moins, avec qui je peux m'entendre, avec qui je peux discuter. Et c'est clair que ça, on ne peut pas le faire sur des réseaux. Surtout que, à mon avis, franchement, les réseaux sociaux, ça peut donner tout et n'importe quoi. Dans le sens où déjà, il n'y a pas forcément tout le monde qui a Facebook, il n'y a pas forcément tout le monde qui a Instagram. Voilà, l'idée des mails, c'est très bon parce que tout le monde a une boîte mail. Ouais, ça m'inspire qu'une des remarques qui est venue et que je sens déjà très fort dans mon cœur, c'est qu'il faut ne pas trahir le fond du christianisme et de l'évangile, mais il faut peut-être changer un peu la forme. Et entre autres, dans les discours, il faut qu'on soit capable aujourd'hui de retraduire ce qui paraît vraiment aujourd'hui un dialecte étranger. Je trouve déjà qu'on a une chance assez exceptionnelle à rencontrer un évêque comme ça qui vient nous écouter, nous les jeunes. Je trouve ça assez formidable qu'autant de jeunes soient là. On devait être une cinquantaine là. À parler tous de nos convictions, de notre vie spirituelle. Donc on a pu découvrir les chemins de chacun et découvrir qu'à Mulhouse, il y a quand même une vie catholique et chrétienne assez développée, chez les jeunes notamment. Et moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir la soif qu'ont les jeunes par rapport à Jésus, par rapport à Dieu.
même des jeunes qui ont une vie spirituelle déjà développée, qui ont toujours soif, qui en demandent toujours plus, et qui recherchent cet amour de manière assez naturelle, et qui savent suivre le chemin que nous a enseigné le Christ et le partager avec leur entourage. L'idée d'une plateforme informatique collaborative, moi, me paraît quand même assez importante, parce que c'est pas seulement c'est un outil qu'il faut mettre en place, donc c'est pas si simple non plus. S'il y a des informaticiens parmi nous, eh bien, qui se dénoncent, voilà, qui se désignent avec humilité, bien entendu, mais en disant avec d'autres, je pourrais apporter ma petite pierre. Ça me paraît essentiel parce qu'aujourd'hui, on a des vies quand même qui sont extrêmement éclatées. Déjà, ce qu'on a vu en premier, c'est que les jeunes, ils ont à cœur de faire de belles choses pour l'Église et pour le Christ. Et donc ça, c'est vraiment super beau. Et ensuite, ça s'est traduit en fonction des sensibilités des gens. Donc pour certaines personnes, ça passait par l'œcuménisme, aller à la rencontre des différences. D'autres, ça passait aussi par permettre aux jeunes, demander à ce que les jeunes aient plus de temps d'enseignement, qu'ils puissent découvrir le catéchisme de l'Église catholique. Certains aussi ont fait part un peu du fait qu'ils pouvaient parfois être désemparés par ce qu'ils pouvaient voir en paroisse. Et surtout, ce qui s'est traduit à chaque fois, c'était l'envie de travailler ensemble et de mutualiser en fait tout ce qui se vit dans l'Église. Quand on va à l'Église, c'est vrai qu'on se sent très seul. Souvent, on a l'impression qu'on est le plus jeune dans l'Assemblée. Et je voudrais l'interpeller sur l'absence des jeunes dans l'Église, mais aussi des familles, parce qu'on ne voit même plus forcément d'enfants. Donc, et c'est par là que ça commence dès le plus jeune âge. Et vraiment, comment faire pour repeupler les églises et intéresser les jeunes à la messe de nos jours aussi. En tout cas, je suis content quand on fait une visite pastorale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, je commence depuis hier soir une visite pastorale. C'est un mot pompeux, ça fait partie du jargon que certains nombre d'entre vous ont dénoncé tout à l'heure. C'est l'évêque qui essaye de découvrir de façon un peu plus formelle, un peu plus structurelle, ce qui se vit dans une zone pastorale. Ça aussi, c'est notre jargon, pardonnez-le. Tout le monde en a, les jeunes professionnels, là, jouez pas au malin, vous avez tous aussi votre jargon, très rapidement. Bon, voilà. Quand je suis arrivé comme évêque aux armées, mon Dieu, il m'a fallu plusieurs mois pour commencer à comprendre un peu tout ce qui se dit, vous savez. Chaque caste a son jargon. Je trouve que qu'il a pu instaurer le dialogue et le respect par rapport à toutes les visions, même certaines fois critiques, donc des églises ou des pratiques. J'ai beaucoup aimé son message de fin en repositionnant son point de vue. Nous, on est un peu jeunes, on est plein d'exigences, on est motivés, mais c'est sûr qu'en face, il y a une poignée de prêtres qui ne sont pas forcément en surnombre dans nos paroisses. On a clairement un rôle à jouer dans nos communautés et dans la vie qu'on aura à se construire nous-mêmes. Et ça, j'ai déjà pu l'expérimenter dans les villes où j'ai étudié précédemment. Je suis acteur dans ma ville natale dans le scoutisme européen et je trouve que c'est aussi une chance de pouvoir aussi poser chacun notre pierre à l'édifice, d'avoir reçu beaucoup pendant l'enfance et de retransmettre plus tard à notre entourage. Quand ça parle de religion, il y a des grands débats, il y a toujours deux clans, pour, contre, il n'y a jamais en fait de juste milieu. Et il y a aussi également beaucoup de désinformation. On voit souvent en fait des extraits de la Bible qui sont modifiés, erronés. On voit limite de la propagande en fait, et on parle d'ouverture. Et souvent, il y a des communautés comme la communauté LGBT qui sont diabolisées. Alors qu'on dit que Jésus est partout, etc. Jésus est en chacun de nous, donc les homosexuels, ils sont humains. Donc forcément, Jésus est en eux. Donc il n'y a aucune raison de les diaboliser en fait. Et c'est pour ça que je voulais réagir, que peut-être si on doit utiliser les réseaux sociaux, mettre un cadre. Peut-être pour sécuriser un petit peu ça. Il y a quand même chez les jeunes une spontanéité, mais une spontanéité qui au fond n'est jamais agressive. Je le dis parce qu'on est dans une période où il y a souvent des modes de communication assez violents. Et là, on est toujours avec des jeunes qui s'en cachent, mais qui disent les choses toujours avec une sorte de gentillesse. Ils mordent dans la vie et c'est très réconfortant.
Ben, pour moi, les attentes de l'Église de demain, c'est voilà, que ce soit aussi informel comme ça l'était ce soir. Voilà, quelque chose de convivial, de jeune, avec du pep, c'est pas forcément assis devant un curé qui nous fait un speech, quoi. Oui, j'ai été très sensible à toutes vos interventions. La question des femmes dans l'Église, en tout cas, je me réjouis beaucoup, c'est un peu d'humour, hein, que ce soir, il y ait peut-être plus d'hommes que de femmes. Là. Et je peux même exclure du comptage des prêtres. N'est-ce pas, hein? Non, je dis ça parce que très souvent, c'est un peu la question. Enfin, l'inverse. Hein, il y a plus, très souvent. Il y a toujours plus de voilà. Voilà. Donc, et puis un jour, ben, il faut, voilà, ça c'est typique, je ne peux pas y répondre en 30 secondes. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de femmes dans l'Église? Est-ce qu'elles ont leur place, pas leur place, etc.? Ça, ça fait partie du temps qu'il faut qu'on donne à réfléchir. Et beaucoup vous l'ont dit ici, ce soir, donc sur ce thème des femmes ou d'autres thèmes, hein, bien entendu, hein, je reprends celui-là parce que c'est un des derniers qui a été donné. Voilà. Je ne crois pas possible que si on ne donne pas du temps pour ça, on arrive à une meilleure intelligence de sa foi, par exemple, ou de la recherche, peut-être tout simplement, spirituelle, qui est la nôtre, même si on ne peut pas encore reconnaître qu'on a la foi. C'est un investissement, quoi, pour dire les choses gentiment. Quoi. La clé, pour vous comme pour d'autres, il y a le choix de se dire, est-ce qu'effectivement, ça vaut la peine? Tu parlais du cycle diocésain, par exemple, là, c'est on s'engage à venir. Là, on ne vient pas une fois de temps en temps. Quoi. Oui, parce que les gens sont persuadés que la théologie, tout le monde peut en faire. La théologie, comme le mot le dit, logie, c'est une science. Tout le monde sait que pour faire des études d'ingénieur, il faut s'y coller. Ce n'est pas la science infuse, ça ne tombe pas comme ça, il faut travailler. Hein, et c'est pareil pour l'histoire, c'est pareil pour la sociologie, c'est pareil pour tout ça. Mais d'un seul coup, les gens sont persuadés qu'avec très peu d'efforts, on peut comprendre, comprendre Dieu. Non, non, ça, comprendre Dieu, c'est impossible. Hein. Sinon, c'est une idole, hein. C'est plus un mystère. Hein. Voilà. Donc, il y aura toujours une recherche. Donc, il faut investir. Deuxième chose que je voulais vous dire, donc c'est un choix, vous voyez. Ceux qui ont lancé des choses parmi vous, ou qui ont porté des mouvements, vous êtes tous affrontés à cette question en disant, bah, écoute, soit tu t'engages, tu viens avec nous, soit tu n'engages pas. Que c'est vrai pour le scoutisme, c'est vrai pour le mouvement d'action d'alcool. Et les chorales, c'est encore pire. Hein. Si c'est pour venir une fois sur deux aux répétitions, c'est plus la peine. Hein. Tu viens pas. Enfin, je viens. Donc à la clé, il y aura certainement cette détermination, j'emploie le mot, hein. Allez, on y va. Et puis là, c'est là que ça peut aboutir à des choses tout à fait magnifiques, même si c'est sur un an, deux ans, trois ans. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on avait tous envie de parler. On n'a pas tous pu le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie dynamique, une vraie envie de faire quelque chose ensemble pour l'Église en tant que jeune. Ben, je pense que là, maintenant, dans la zone de Mulhouse, il va falloir qu'on travaille très fort pour que toutes les bonnes idées qu'on a pu entendre ce soir se concrétisent. Oui, j'ai été surpris positivement, hein, parce que parfois, c'est un peu plus compliqué. Alors, il est vrai que Mulhouse, c'est quand même une agglomération, qu'il y a quand même toute une catégorie entre les étudiants et les jeunes professionnels qui permettent de faire des groupes qui peuvent être assez denses. Le Seigneur, il a permis qu'il passe à travers mes parents, qu'aujourd'hui, j'ai du mal avec eux. Voilà, ça, c'est mon histoire. Mais voilà, il est passé à travers eux, il est passé ensuite à travers le chemin, et à travers plein de choses dans le chemin qui m'ont permis de, voilà, de toucher Dieu et de me rapprocher de lui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine en plus. D'abord qu'au fond de notre cœur, chacun de nous en silence.